commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit tuto qui peut vous servir et qui peut servir à tout le monde. Qui n'a pas rencontré aujourd'hui sur sa connexion 3G, sa connexion 4G, un problème d'appel où ça coupe en permanence ou éventuellement vous avez des grésillements? Eh bien, dans ce tuto, je vais vous montrer comment activer les appels en Wi-Fi sous Android et sous iOS. Cela va pouvoir vous aider à passer vos appels tranquillement et sans inconvénient. Il va falloir simplement être connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile ou au réseau Wi-Fi de votre entourage. Alors attention, cela peut amener des problématiques. Vérifiez bien que vous êtes toujours sous un réseau Wi-Fi protégé. Alors, le tuto va être court, mais j'espère qu'il va pouvoir vous aider à vous connecter et avoir une meilleure connexion, des meilleurs appels avec cette technique. On va commencer par Android. On va tout simplement se diriger dans les applications et aller dans paramètres. Écran application, paramètres. Une fois que vous êtes entré dans paramètres, vous allez dans connexion. Connexion, Wi-Fi, Bluetooth, utilisation des données, modeur-ligne. Une fois que vous êtes sur cette option, vous rentrez à l'intérieur. Alors, pour les personnes qui entendent cette petite voix, je rends toutes mes vidéos accessibles aux personnes voyantes et malvoyantes. Comme cela, tout le monde peut en profiter. L'accessibilité avant tout, en plus aujourd'hui sur tous les smartphones et sur toutes les tablettes, on a de l'accessibilité. Profitons-en, tous les produits grand public deviennent accessibles. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo si vous avez dans votre entourage des gens qui ont éventuellement des problèmes de vue. Allez, on va continuer. Donc, une fois rentré dans paramètres, une fois rentré dans Wi-Fi, on va aller sur appel Wi-Fi. Appel Wi-Fi. On va rentrer à l'intérieur. Appel Wi-Fi. Activé. Ici, si vous activez cette option, il faut activer cette option. Activer interrupteur. Utilisez le Wi-Fi pour passer et recevoir des appels à chaque fois que cela est possible. Sous Android, comment activer les appels Wi-Fi et bénéficier d'une meilleure connexion? On va passer maintenant tout de suite sous iOS. Voilà, donc maintenant, passons sous iOS. J'espère que pour l'instant, cette vidéo vous plaît et surtout, faites-moi le savoir par des petits likes. C'est super important car c'est vraiment ça qui fait bouger ma chaîne, c'est ça qui fait monter ma chaîne sous YouTube. On va tout de suite se rendre sur la première page d'accueil de votre iPhone et aller dans Réglages. Réglages. Une fois dans Réglages, contrairement à Android, on va descendre jusqu'à Bluetooth. Données cellulaires. Données cellulaires. Sélection. Une fois dans Données cellulaires, on va aller dans Appel Wi-Fi. Oui. Bouton. Appel Wi-Fi. Appel Wi-Fi sur cet iPhone. Activé. Si j'ai activé les appels Wi-Fi sur cet iPhone. Émettez et recevez des appels Wi-Fi avec votre compte Orange France. Consultez les conditions de votre opérateur pour connaître les possibilités d'appels d'urgence via Wi-Fi. À propos des appels Wi-Fi et de la confidentialité, lien. La fonctionnalité Appel Wi-Fi est conçue pour protéger vos données et vous permettre de choisir ce que vous souhaitez partager. Certains opérateurs vous permettent d'émettre et de recevoir des appels sur vos appareils iOS, WatchOS et macOS via Wi-Fi ou via les données cellulaires sur les modèles d'iPad Wi-Fi Plus Cellular, lorsque le signal Wi-Fi est faible ou indisponible. Si vous activez les appels Wi-Fi et vous connectez à un réseau Wi-Fi depuis un appareil prenant en charge les appels Wi-Fi, les informations concernant le pays où la connexion réseau est établie, ou de votre réseau mobile, le cas échéant, déterminées d'après votre adresse IP, peuvent être envoyées à votre opérateur à des fins de facturation et de mise en service. Si vous ne souhaitez pas partager ces informations avec votre opérateur, vous pouvez désactiver les appels Wi-Fi sur votre iPhone et votre Apple Watch jumelés en ouvrant Réglages, en touchant iPhone et en désactivant Appel Wi-Fi. Pour l'iPhone et appel sur d'autres appareils, pour vos autres appareils, notamment votre Apple Watch jumelé. Pour désactiver les appels Wi-Fi sur un iPad ou un iPod Touch, accédez à Réglages, touchez FaceTime et désactivez Appel depuis l'iPhone. Pour désactiver les appels Wi-Fi sur votre Mac, ouvrez FaceTime, Préférences, et désactivez Appel depuis l'iPhone. Voilà donc comment activer sous iOS vos appels Wi-Fi pour avoir une meilleure connexion. J'espère que cette vidéo vous aura aidé donc à activer vos appels Wi-Fi, avoir une meilleure connexion, avoir de meilleurs appels. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.